On va rester avec vous, mais on va parler d'un fait qui n'est pas habituel. Lors de la cérémonie donc d'hommage et de félicitations aux éléphants taekwondo, la fédération a présenté à l'assistance sa candidate au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2014. On va le voir et puis juste après, on va parler un peu de ça. La cérémonie d'hommage et de félicitations aux vaillants éléphants taekwondoïnes champions d'Afrique 2014 à Tunis et vice-champion du 4e Open International de Carthage a été l'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo de présenter l'une de ses athlètes, Cynthia Kragbe, candidate au concours Miss Côte d'Ivoire 2014. Bambachek Daniel a souhaité qu'il y ait une synergie des différentes ligues autour de son athlète afin de la soutenir. En tête de ce mouvement, l'épouse du ministre des Sports et des Loisirs, Ange Lobognon, qui a tenu à apporter sa contribution en vue d'aider sa filleule à atteindre son rêve. Auréolée de ses titres de championne de taekwondo, Cynthia Kragbe, âgée de 21 ans et étudiante en première année de sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, s'est lancée un autre défi, celui de conquérir le titre de Miss Côte d'Ivoire. Alignée lors de la présélection de la région du Sud-Comoué, la championne du monde francophone s'est offert la médaille d'argent de la beauté, c'est-à-dire qu'elle a terminé première dauphine. J'appelle toutes les filles, toutes les jeunes femmes, toute la Côte d'Ivoire, toute la population ivoirienne, ainsi que le sport, bien sûr, à voter pour moi lors de ce concours, afin que je sois élue la Miss Côte d'Ivoire 2014. Elle sera donc à la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire le 7 juin 2014. Une fierté pour le taekwondo, une fierté pour le monde du sport ivoirien. Alors, est-ce que vous la soutenez dans sa campagne justement pour l'élection Miss Côte d'Ivoire? Bien sûr. Pas déformé. On entend dire non, si je fais taekwondo, si je fais du sport, je serai déformé. Ah non. C'est un message. À travers cette candidature-là, c'est un message que le taekwondo lance à la population ivoirienne. On demande aux dames, aux parents, surtout, on leur dit, inscrivez vos enfants au taekwondo et puis vous allez voir qu'ils peuvent devenir, enfin, qu'elles peuvent devenir des miss comme Kragbe Cynthia. Elles peuvent devenir majeures de promotion comme Jomande Banassa, Kobenan, il est étudiant, Ruth est étudiante. C'est un sport. Faire du taekwondo, ça rend intelligent et puis ça rend les gens forts à l'école. Voilà. Donc, on termine sur une super message, bonne note. Bel message, je pense qu'il est reçu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous voir avec vos trophées, vos médailles et tout. Ça fait énormément plaisir de pouvoir passer à côté de ça. Merci beaucoup. Mais non, bravo, tu as battu Baladei, champion du monde. Oh, vraiment, c'est fantastique. Le Sénégal. Merci beaucoup à vous tous et on espère vous recevoir très bientôt pour un autre challenge et puis pour d'autres médailles. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance. En tout cas, on espère revenir ici pour parler de l'audience de la réception que le chef de l'État. Oui, avec la photo. Voilà, avec cette avec ce c'est une autre façon de demander une audience. Bien sûr.